Normalement, l'enregistrement de la VOD, deuxième épisode de Spider-Man 2, est relancé. Je suis toujours en live, c'est toujours le même soir, c'est pour ça que je suis habillé pareil. Ça m'arrive de pas me laver non plus. Bonjour YouTube. Et on est toujours en live, bien sûr. Vous voyez, c'est marqué, hein. Coucou YouTube. Voilà, c'est bon. Skyman nous demande est-ce que YouTube connaît Twitch Prime et les subs tier 3? Ça, je sais pas. Voilà, bonjour YouTube, etc. On est reparti pour le deuxième. Je me suis régalé sur le premier. La scène d'intro était tout simplement géniale. C'est sublime. C'est sublime. C'est génial. On continue. R2. Et relâché. Ouh, je sens qu'il va partir. Yeah! Ah oui! D'accord. Oh, c'est juste. Ouais, d'accord. Bon, je pensais qu'il partait vers l'avant. Hey. T'avais l'air stressé tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est juste que j'ai plein de trucs à faire. J'ai faim et en plus, il n'y a plus que des crackers sans sel dans le distributeur. Aïe. Ouais, ça craint. Je m'en remettrai. Attends. Hé, je suis enfin sur la mise à jour de l'appli dont je t'ai parlé. Grâce à un coup de main de mes amis. Ouais, c'est un jeu de mots. Enfin, tu peux pas encore comprendre, hein. Mais ça va. Il y a dit quoi dans les airs? Il y a dit quoi dans les airs? Et à maintenir quelque chose là. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Bon, vite quand même à la verticale, je trouve. Ok, j'y suis. Il doit y avoir un lanceur dans les parages. Je vois rien qui ressemble à un lanceur. Un PC? Peut-être qu'il est sous le sable. Ah, peut-être. Alors attends, j'ai peut-être une idée. Ah, ok, je vois le lanceur. Gauthier me suivait aussi sur Instagram. Je vais imprimer un ami. Merci Gauthier. Je vais imprimer un ami. C'est de l'autre côté peut-être. Allez, je vais imprimer un ami. Ça y est, j'ai compris. AMI, ami. Laisse-moi deviner. Appareil mobile d'interconnexion? Presque. En fait, peu importe. Mais sache que les signaux sont traités par corrélation spatiale et temporelle. Ah oui, d'accord. Des calculs à distance? T'es un génie, Ganki. Ah, c'est Monsieur Tu, je vous le dis, c'est Monsieur Tu. J'ai marqué un itinéraire pour optimiser la stabilité du réseau. Oui, si on l'a fait suis, tout à l'heure. On aura un meilleur signal. Bah, pas de soucis. Allez, go! Voilà. Ok, le réseau local est connecté. Nouveau crime signalé. Je le vois. Oh, les cons. J'y vais. Ouais, j'y vais. Alors attends, c'est comme ça, comme ça. Hop là, super. Ah, mais moi aussi j'ai mon dé de tatouage. Ouais, le dé de tatouage c'est sympa, mais je préfère atterrir en roulade. Oup, oup, oup. Et après je cours. Ils ont dit que Spider-Man était au club de tir. Faut se manier avant qu'il arrive. Ah, mais il y en a un autre. Coucou. Besoin d'aide? Vous avez perdu vos clés? Il y a un serrurier un peu plus haut. Vous êtes combien pour un seul fourgon blindé? C'est un peu exagéré, non? Au lieu de voler, vous pourriez peut-être, je sais pas moi, m'aider à sauver des gens! Réalisez une esquive parfaite lorsque votre sens d'araignée devient rouge pour esquiver et lancer automatiquement une toile. Ok, on connaît ça, on connaît. On s'occupe de lui, il est fini. Ça fait bobo. Yo. Frappe de toile. C'est parti. Mijo, ça va? Oui, maman. Et toi? Si. Je suis dans le centre, j'aide Gloria au fils. Et où? Est-ce que tu as vu Monsieur Sumida? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas Spider-Man qui va te faire rentrer à la fac? Je vais m'en occuper, maman. Promis. Faut que j'y aille.
suffit comme ça. Envoyez les gros calibres. Les gros calibres? Alors, les gros calibres. Je me régale avec les batailles aériennes. Phil Tyson. Il est costaud. Ouais. Il va y avoir du sport. Paraît juste avant d'être touché par une attaque au corps à corps pour étourdir l'ennemi. Une parade trop précoce sera moins efficace. Allons, parer ! Merde. Dire que je devrais être en cours de physique, en train d'apprendre des équations abstraites pour des situations théoriques. Mais non, c'est pas lui, c'est l'autre. Je vais faire la peau. Ouais, je crois que je préfère la physique appliquée. Tu nous arrêteras pas, Spider-Man. Tu nous arrêteras pas. L'heure est venue, Spider-Man. J'arriverai jamais à me dégager de ces trucs. Tirez sur l'araignée. Mauvaise idée. Putain, c'est vraiment trop bien. Tiens, prends ça. T'as cru d'aller faire quoi, toi? Juste impossible. Mais quel bonheur ce jeu, mais quel okay, bonheur. L'appli est enfin à jour. C'est vraiment... Pour moi, c'est le meilleur jeu de Beat 'em All en termes de gameplay avec les boutons, tu vois. Les esquives sur rond, les bagarres, les triangles, etc. C'est la meilleure disposition, c'est la meilleure ergonomie, je trouve, sur les Beat 'em All ever. C'est trop bien. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Ouh, pas mal. Il y a une nouvelle requête. J'ai pas développé des compétences. Donc ça, je l'ai, ok. Attends, gadget, posséder. Lance-toile. Ouais. J'aime bien. Pourquoi sur gadget j'ai une j'ai un point d'exclamation. Pourquoi j'ai un point d'exclamation? J'ai la fibre de la bagarre. Oh, je sais pas, non. Attends, pourquoi j'ai un point d'exclamation? Achat impossible ou chercher. Je sais pas. Compétence, 0 point de compétence. Ok. Et là j'ai encore ce point d'exclamation. Il faut que j'appuie sur où chercher là. Tiens, pourquoi je peux pas l'enlever ce point d'exclamation? Je l'ai déjà. Ils sont améliorables. Posséder. D'accord. Ok. Ganky, beau boulot sur l'appli. Ça va aider plein de gens, ça. Merci. Miles, occupe-toi de ces requêtes et retourne au lycée. Attends, les cours de physique, tout à l'heure, c'était du lycée? Du coup, c'est le blog. C'est du lycée? C'est quel lycée? J'ai envie d'aller sur le building. Il y a un building qui est encore plus haut. C'est pas grave, on va quand même se faire un petit saut de l'ange là. Histoire de... Spider-Man! C'était trop stylé. Au secours! N'ayez crainte.
Je suis Spider-Man. Qui a traversé le mur et percé une conduite de gaz. Un cristal? Je vais aller voir. Mais oui, c'est un cristal. Ils ont pas fait la... C'est quoi ce délire? Le paquet en fait. Parce que c'est moulant quand même comme combinaison. Alors, est-ce que ça t'a plu? T'es toujours là, Marco? Miles, c'est MJ. Je viens aux nouvelles. Je crois que je me bats encore contre l'homme sable. Il s'est déjà échappé? Vas-y, tape-moi. Non, je suis au rap. Il est juste devant moi. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Tiens bon, je vais aller parler à ses médecins. Ouais, si tu veux. À qui? Aïe. Ok. Là, vous m'avez saoulé. Ouais, grave. Ok. Ok, j'ai parlé à ses médecins. Il y a un genre de... Merde, j'ai pas vu lui. Oui. Okay. Attends, mais là, ils sont morts, ces mecs-là, ou ils peuvent, que ou ils peuvent revenir? Il a littéralement éclaté en morceaux. Flippant! Et pourquoi ces mecs de sable en ont après moi? C'est sûrement des morceaux de son inconscient qui cherche à protéger ce qu'il y a dans le cristal. Écoute ça, c'est important. Si tu retrouves tous les morceaux, ils disent que ça pourrait peut-être réparer son esprit. Eh ben, ça a pas l'air simple, la vie d'un homme sable! Stylé. Ok, Marco. Qu'est-ce que ton inconscient voulait protéger? Ouais, parce que moi, en fait, je t'écoute absolument. Quand il parle, j'écoute absolument pas. Mais absolument pas. Alors, briser le cristal. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vas-y, je vais le briser. J'étais avec toi. Et l'instant d'après... Pivot! T'étais plus là. Pivot! Un cristal qui parle. Pivot! Ok. Pivot! On dirait que vous avez la ref. Un souvenir de Marco. Super. MJ a dit qu'il y avait d'autres cristaux éparpillés à travers la ville. Alors, il l'a rangé... Je ferais mieux d'ouvrir l'œil. Tu l'as rangé où, Eh, hey, tu veux Miles t'occuper de la dernière requête? Une histoire de VIP coincée dans une limousine. Non, je gère. Je sais pas où il l'a rangé, mais bon. Oh là là, c'est à 900 mètres, c'est beaucoup trop long. Casse-toi la plante. Alors. On va le casser ça? Bon bah attends, on va sortir. Par où je suis arrivé? Attends, par où? Ah, l'extincteur! J'ai oublié de l'éteindre! J'espère que vous avez la ref aussi, même si c'est pas exactement le texte. Bon, bah on va sortir par là. Ganki, Monsieur Sumida est toujours là? Oui, il est avec Ellie en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non, t'en fais déjà trop pour moi. Ouais, c'est vrai. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais, c'est vrai. Et j'y arrive. Hé hey, approchez pas de cette limousine. Encore des malfrats. C'est l'araignée, tuez-le. Ah, on peut faire ça aussi, d'accord. Spider-Man. Les paparazzi, c'est déjà pas cool. Mais des paparazzi armés. Oh. Ce que vous faites là, c'est pas joli. Tout démolis-le. Pourquoi vous pouvez pas les laisser vivre leur vie? On va gagner. Oui, oui, bien sûr, vous allez gagner. On va gagner. Voyons qui se cache dans cette limousine. Bien sûr.
Je pense que je vais devoir la retirer du sable. Encore ? Non, c'est bon. Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Roche Dizem ? Je sais pas. On va voir. Oui, chercher l'intrus dans ce que je viens de dire, oui. L'hôpital. J. Jonah Jameson. Je dois prévenir Spider-Man. Jonah Jameson ? Je connais ça. J'ai la ref aussi de Jonah Jameson. Ok, monsieur Jameson. Je vous emmène à l'hôpital. Spider-Man, faut que tu viennes voir qui est notre VIP mystère. Ce suspense est insoutenable. On peut pas sauter. Monsieur Jameson. Oh merde. C'est Spider-Man. Vous m'entendez ? Je crois qu'il va gerber le Jenna Jameson. Hé, hey, Spider-Man ! Regarde qui c'est ! Ah, où est-ce que... Spider-Man ! Jonah, mon petit rayon de soleil ! Tout va bien ? Au secours ! C'est un kidnapping ! La voix de Ronald... De Ronald. La voix non, de Donald, elle j'essaie est tellement sauver, bien pour ce personnage. Une photo. C'est incroyable. Des criminels masqués kidnappent un célèbre journaliste ! Oh, ce bon vieux Jonah. Soyez plus sympa avec le docteur. Ah, on sent qu'on est alourdi, hein, avec le moustachu. Hein. Attends. Oh, ils m'ont kidnappé. J'étais pas consentant. Ah non, aïe. Des dangers publics, voilà ce que vous êtes, des dangers publics. Mais J. Jonah Jameson se laissera pas faire, vous entendez? Je me laisserai pas faire. Eh, hey, vous faites quoi, vous? Oh, où est-ce que vous m'emmenez ? Oh. Monsieur Parker, où êtes-vous ? Principal Evans, bonjour. Oui, c'est moi, Peter Parker. Il y en a qui s'énervent parce que j'y joue 24 heures avant eux. Enfin, non, j'y joue 2 heures avant eux. C'est juste que PlayStation me l'a envoyé. Sony me l'a envoyé. Donc, avec la possibilité d'y jouer. J'aurais pu y jouer cet après-midi si je voulais, mais j'étais pas dispo. Mais ne vous énervez pas, vous pouvez y jouer dans 2 heures. Hein. Je suis désolé, j'ai eu une urgence et je vous jure que j'arrive tout de suite. Vous avez intérêt à être là dans... Non, je rigole, si vous l'avez pas téléchargé aujourd'hui avant 22h16, vous ne pourrez jamais y jouer. Jamais, jamais. Vous serez blacklisté en fait chez Sony et vous ne pourrez jamais y jouer. Il fallait être plus rapide. Hein. Et c'était le temps de l'EDL aussi. Dommage. 10 secondes. Oh non, je passe sous. Hop. Tout à l'heure. Joué. Oh, j'en reviens pas d'avoir fait ça. Ah non, il est que disponible sur PS5. Il n'est pas encore disponible sur PC. Hein. Faudra attendre pour le PC. Où est Monsieur Sumida ? Ah, et il vient de partir. En vacances, il me semble. Si j'ai bien compris. Quoi ? C'est incroyable, Hailey. Et aussi, pendant que t'étais occupé, j'ai appris que j'avais obtenu la bourse Rand. Non, tu rigoles. Bourse Rand, GG. Attends, mais c'est de la folie. Sacré lui. Oh. Grosse journée pour tout le monde. J'ai vraiment tout loupé. Oh non, ouais. Je veux pas voir ça. Et en même temps, c'est plus fort que moi. Principal Evans. Bah alors, regardez qui nous rend visite aujourd'hui. Je sais, j'ai pas fait bonne impression. Ça c'est sûr. Je suis désolé. Ouais, vous pouvez l'être. Oui, je sais. Mais cette attitude est inadmissible. Ça se reproduira plus jamais. J'en ai plus que marre. Non, attendez. Vous n'avez plus d'excuses. Le labial est pas foufou. Hein. Votre travail est de protéger les élèves, pas de les abandonner. Vrai, vous ça. Êtes viré. Déjà. Ah, ça et craint ben, du boudin. Être Spider-Man, c'est pas évident, si tu veux garder un taf. Mais non, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Ah non, c'est pas des Jordan 1 Royal Blue. Moi, je me suis gouré.
Acheter une PS5 juste pour Spider-Man ? J'y songe. Bah, l'avantage, c'est que tu as Spider-Man, le 1, le Miles Morales et celui-ci. Donc, t'as de quoi faire. Hein. Salut. Salut. Je suis désolé pour ton boulot. Ouais, bah. T'étais pas le pire prof qu'on ait eu, si ça te fait. Tu crois que je peux mettre ça sur mon CV ? Niveau supérieur, okay, niveau 3. Ils sont en recherche 2. De photos au New York Bulletin. Ouais. D'ailleurs, hier, j'en ai envoyé une. Ça rapporte pas une fortune, mais c'est déjà ça. C'est le journal de Robbie Robertson. J'attends on de... a travaillé ensemble au Bugle. Je crois que je sais ce qui lui plairait. Merci, Miles. Y a pas de quoi. Oh, les taxis sont verts. Je lui enverrai peut-être aussi, si mon j'ai Dieu, le temps. Quelle horreur. Robbie disait toujours, je veux pas voir la ville, je veux voir New York. Waouh, c'est profond. Compétences. Alors... Donc soit je prends lui, mais moi mon préféré ça reste lui. Capacité, attends, collection. Technique. Ça la parade, j'oublie aussi la parade. Attends, il n'y a pas moyen de... Attends, mais ça veut dire que il n'y a pas les tenues ? Les tenues Spider rué. Ouais. J'aime pas trop beaucoup ça. Donc là, c'est pareil, là, je suis encore obligé, là. Bon, bah, je vais le prendre, hein. Si, il y a les tenues, mais pas de suite. Ah. Non, t'es pas obligé. Bah, c'est trop tard. Mais j'avais... ça, là, c'était verrouillé. Tout le reste, c'était verrouillé. Ah non, il y avait là. Merde, c'était le commun. C'était commun aux deux, en fait. Oh, je peux pas revenir sur ce que j'ai fait. Je peux pas revenir. Je peux pas le rendre. Je peux pas le rendre. Je peux pas le... J'ai fait une connerie. On m'y reprendra plus. Tant pis. Tant pis. Désolé. Oh, un terrain de football, mais ok. Mais quel bonheur rien que de se balader en ville, quoi, je te jure. Un petit salto. T'as un sentiment de liberté et de bogositude. Attention les armes. Oh là là, c'était mon style. Bah attends, c'est le frisbee d'ailleurs de beau, Captain ça. America ça. Je vais prendre une photo. Du gène net. Et voilà. Plus qu'à envoyer et... Peter. Nul. Comment vas-tu, mon garçon ? Salut, Robbie. Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais je voulais juste te dire que je viens de t'envoyer une photo pour le journal. Magnifique. C'est tout à fait ce qu'on recherche. Il faut que je file, j'ai une réunion. Mais si tu trouves l'essence de la vie new-yorkaise ailleurs, contacte-moi. Et des mecs ça qui font du frisbee, c'est ça que tu voulais. Moi aussi, Robbie. Merci. D'accord. Bon bah. Votre progression par quartier a avancé car vous avez empêché des crimes et terminé des activités dans Little Odessa. Superbe. J'ouvre la carte. La carte recense et indique les activités des 14 quartiers de New York. Au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, de nouvelles activités se débloqueront. Enfin, se débloquent, quoi. Chaque quartier possède 3 paliers de récompense. Le second palier de récompense vous permet d'utiliser le voyage rapide dans les quartiers concernés. Ouais, mais j'aime tellement me balader. Sélectionnez un quartier pour voir votre progression et consultez régulièrement la carte pour découvrir comment vous pouvez aider les New Yorkais. Ah, parce que faut pas dire New York, hein, faut dire New York. C'est new, tu vois, c'est nouveau, c'est pas new. C'est new. Et new, c'est pas new.
Et ouais. Explorer la ville et découvrir. Ouais, je vais aller là. R3. Ok. Ah, je peux aller prendre une photo ici. Ok, allons prendre une photo. C'est juste à côté. Attends, arrête-toi. Elle est où la photo? Elle est où la photo? Ah bah je crois que je suis bien dessus là quand même. C'est en dessous? C'est là? Attends, c'est où la photo? Ah, pardon! Pardon, pardon! La photo, la photo. La photo c'est ici. Attends. Je comprends rien du tout à l'emplacement de la photo. Faut peut-être que j'aille sur la carte. Ou alors c'est déjà fait. Attends. Photo, objet à collectionner. Je fais. Putain, je comprends rien. Je comprends rien la photo. Qu'est-ce que je dois photographier? Ça serait pas mal s'il y avait des animaux sauvages. C'est parfait. T'imagines la ville? Ah bah. Ma grand-mère me racontait ses promenades là-bas. Bon bah j'y suis arrivé. Le pont tous les dimanches pour aller chercher les meilleurs légumes de la ville. Je sais pas s'il fallait photographier, mais j'y suis arrivé. Elle est arrivée plus tard que d'habitude et n'a pas pu acheter de tomates. Car l'homme devant elle venait d'acheter les dernières. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père. Trafic d'armes. Pas dans ma circonscription, hein. Allez, j'y vais. Ma tenue est pleine de sable dans tous les plis. Il est peut-être temps que je me change. Pardon. Oh, merde. Je suis pas sûr que cette bande soit bien légale. Ouais, j'ai surfé. Regardez qui était dans le quartier. Yo, on va j'allais dire exactement la même chose. Oh, il y a Mike. Ça va aller, Cindy. Attention. J'ai foutu. Bon sang, j'ai une crampe. Ah merde, je vais le taper. Bon, c'est bon. Ça va. C'est en train de passer. Attends, lui, je vais faire voler. La baston, lui. Ça. Oh, allez, on se. Merci. On devrait partir en tournée, un de ces quatre. Ce sera enfin l'occasion de plancher sur une speeder mobile. Et là, je gagne quoi là? Ok. J'ai pas un truc à faire avec ça. Ah bah si. Les criminels ont caché des pièces high-tech dans toute la ville. Trouvez-les, reprenez-les. De la vieille tech de l'Underground. Ah, l'Underground. Sans Tinkerer, les vautours ont tout récupéré. Je vais le dire à Miles, ça pourra nous être utile. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas vu un crime. Non, ça c'est du sable, hein. Mission principale. Ah ouais, bah vas-y, on va y aller. Allez, salut, bande de l'Az. C'est quoi ça? Attends. Super lance-pierre. Ah, youhou. Ah, mais ça m'arrange pas, c'est ça. Ça ressemble au cristaux de mémoire de Marco dont Miles parlait. Je devrais aller voir. Ouais. Je me dissipe, hein. Je me dissipe. Je vais juste aller voir le truc du cristaux, là. Ah bah voilà. Ah bah d'accord. Je savais bien qu'on se reverrait. Attends, la parade. Je vais te faire une parade. Vas-y, viens. Fais-moi une... Ah, vas-y, j'ai attaque-moi. Du sable dans les bottes et dans les gants. C'est un cauchemar. Vas-y, fais-moi... Attaque-moi. Ah, il est pas ici. Bon, attends, la parade, c'est L1, hein. C'est L1, la parade. Ah, ici encore.
Ah ouais, mais là... Come here. Et toi, tu m'as saoulé. Vas-y, tape-moi que je tente la parade. C'était peut-être pas la parade, ça. Il est temps d'ouvrir ce cristal. Ouais, ouvrons ce cristal. Je le casse. Quelqu'un nous observe, Kinya. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Marco se sentait surveillé. La mission par principale, je suis sûr que c'est pour le déblocage des tenues. Bon, on va y aller. On va y aller. Attention ! Des pigeons maléfiques ! Appuyez pour afficher. Regard indiscret. Ouais, je m'en fous. Allez, la quête principale. Merde, j'ai encore brouillé. Je sais pas où il l'attend sa toile, mais bon, c'est pas grave. Aïe! Ouais, il y avait encore un larcin qui était fait là-bas, mais bon, tant pis. Oh, ça a l'air d'être une tenue! Alors. Peter, Miles, ok. Alors, vous avez reçu un jeton de la ville. Vous pouvez acheter des nouvelles tenues en utilisant vos jetons de ville et vos pièces. Ah, mais avant, j'avais des versions du jeu où je pouvais avoir déjà toutes les tenues que je voulais. Bon, tant pis. Bien, on continue. Vous pouvez également fabriquer de nouveaux styles pour vos tenues. Fabriquer les styles pour la tenue avancée 2.0. Maintenir pour fabriquer. Putain, je suis obligé. Oh, les tenues disposant de styles possèdent trois styles alternatifs en plus de l'originel. Oh, wow. Wow. Oh, wow. J'aime bien. Oh, à l'ancienne. Ouais. Alors, pièce high-tech, 124 sur 20, donc ça c'est bon. Jeton de la ville, 13 sur 1, ok. Comme ça, je pourrais le fabriquer. Et à chaque fois, j'ai 3 alternatives. Salut Alex. Eh ouais, Spider-Yan is back. Miles Morales. Ah, peut-être fabriquer des styles, maintenir... Ah non, les fabriquer les styles, c'est que quand c'est... Merde, c'est que quand c'est proposé, attends. Je dis pas de conneries. Là, c'est proposé. Là, c'est pas proposé. Là, il n'y a pas de style différent. Ok. Le problème, j'aime bien le jaune, tu vois. Si, il y en a. 4 alternatives pour quelques-uns. Le truc, alors... J'aime bien le jaune, mais le problème c'est que pour moi les vraies couleurs de Spider-Man c'est blanc et bleu quoi, tu vois. Celui-là il est sympa quand même, hein. Celui-là il est sympa. J'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. Imaginons, là, je fabrique. Et j'en ai 3 de dispo. D'accord. La Jamaïque, man. Je prends celui-là. Vas-y, je coupe.
Salut MJ. Eh, mais en mode Venom, ça tue. Ouais, mais c'est Venom, quoi. La porte de derrière est déverrouillée. C'est pas. Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin, mais je te retrouve là-bas. Ok, cool. Vous êtes bien à l'école, Miles, c'est toi? Ouais. Oh, mais vol. Pas simple ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ouais, ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Oh, mais vol. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer? Annoncer à sa copine qu'on s'est fait virer. Ça peut être pratique quand même, hein. Oh ouais, carrément. Elle roule en chopper. Wow. Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. Eh, ça a l'air de te débrouiller comme une chef. C'est assez pratique en ville. Mais je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est un peu je une goudroune, ouais. Oh. Ah, t'es vraiment qu'une sombre merde. Content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. Ouais, mais t'es mauvais. On allait faire voler un hélico. T'es mauvais, t'es mauvais. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Eh ben, ça va être sympa le loyer. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis qu'une merde. Que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller, parce que... Je connais Spider-Man. Tu es le meilleur journaliste. Y a quoi là-dedans? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques. J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse. Comme les t-shirts, comme mes t-shirts quand j'en ai mis en vente. Le est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Et est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. Moi aussi, je vais faire bouger les choses de là. Pardon. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Oui. Oh, putain, il a le pull de Freddy Krueger. Je mets ça au fond? Ouais. Non, laisse, je m'en occupe. Je vais juste faire un peu de rangement. Spider-Beauf. Alors. Oh, va y avoir de la lecture. Ouais, pas plus que ça en fait. Pass du amount, 4764 $. Ah ouais. Ah si, je vais lire un peu quand même. Peter Parker, 15 Anthan Avenue, Forest Hills, New York, 11375. Avis d'échéance d'hypothèque. Numéro de compte, 11648775. Adresse du bien. 15 Anthan Avenue, Forest Hills, New York, 11375. Mountain Dew, $4,764. Détail du montant du versement mensuel standard. Oh, vas-y, ça me casse les détails du compte. Bon, c'était pas un beau moment lecture. Ouais, je regarde. Mère a hypothéqué la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Eh ouais. Oh, la lecture, eux. Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste que je libère du temps. Speed Monagon. Je regarde. Je quitte. Ah, c'était Speed Monagon. J'adore ce jeu. Bon, pour l'instant, je me balade. Oulala, là là, faut penser à arroser les plantes, là, quand même. Oh, regardez-moi ces effets de lumière, ces particules. Bon, elles sont fixes, mais... Alors... Oh, je lis dans les fruits aussi. C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Un peu pourri. Tu vas faire quoi, maintenant? Je sais pas trop. Le char. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu.
Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben, tu pourrais vendre la maison. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais... Mais quand je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non, je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. Ouais, je me casse, tu me saoules. On va trouver une solution. Ouais, c'est ça, et ta gueule. Je te mérite pas. Oh, elle me saoule déjà. À peine elle est arrivée, elle me gueule dessus, là. Mais bon, j'ai l'impression d'être chez moi, là. Oh putain, la bouffe chinoise, à mon avis, ça va être... Ouais, il va y avoir des mouches, hein. Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement ? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. Oh, les relous. C'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison ? Bon argument. Bon, j'ai encore des trucs à ranger, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, la fougie. Bah, c'est un album photo, est-ce quoi. Est-ce que tout ça est à mai ? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais... Mais il y a un mai. Pas tout de suite. Une mai. Qu'est-ce que tu regardes ? Il y a une mai. Des vieilles photos de toi, trop chou. Bonsoir, le chat qui arrive. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Bonsoir, bonsoir. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Ouais, t'es une vieille balance. Pourquoi t'as pris ça en photo ? Je le savais. Équilibre. C'est une vieille balance. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Non, c'est... Balance, t'es une vieille balance, Peter. Bon, bah je vais... Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Ouais, ouais, bah je vais continuer dans la chambre, à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Oh, allez, on va monter. Bah voilà, c'est ça le pull de Freddy Krueger, là. Où est Charlie ? Je sais pas. Allez, on monte. La salle de bain, donc est-ce qu'on a des touffes de poils de ça May ? Ça rendrait bien des bougies, ici. Ça se fait des bougies dans la salle de bain, non ? Voilà. Eh, la baignoire rose, waouh, du meilleur effet. Hein. Je vais aller là quand même. Donc c'est là où Tante May, voilà, ça c'est le plan de travail de Tante May. Ok. Ça a encore l'odeur de May. Pourquoi il y a un truc qui vibre dans le tiroir de Tante May ? Ah non, c'est là, hein. Ah ouais, c'est... Ah oulalalala, je me casse. Oh, les chiottes de tante, mais... je suppose que... Oh, attends. Oh, j'ai quelque chose. La nostalgie, ça frappe sans prévenir. Je pensais qu'il rigolait, mais en fait, il pleurait. Ok, j'ai cru voir quelque chose aussi ici là, non ? Non. Bon, faut que j'aille voir dans la chambre, là où je suis une balance. C'est là-bas. Où est-ce qu'il était, ce trou ? Faudrait qu'on retourne dans la chambre de Tante May pour le voir. Alors, si je me réfère à la photo, ça devrait être ici. Et voilà. Spider-Man, est-il une menace ou un danger public ? Notre standard est ouvert. Une menace ? Une bonne grosse menace, ce taré ! Je vais vous dire un truc sur les soi-disant super-héros. Il n'est ni super, ni un héros. Alors, c'est quoi au final ? Un imposteur ? Un égocentrique ? Ta gueule. N'importe quoi ! Ce qui a fait ce bruit ? Quel bruit ? Oh. J'étais en train de me reposer dans ma chambre. Oh, j'ai... J'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? C'est rien. J'ai juste... Il est beau gosse, hein ? Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Même pas première, super. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors... Eh oui. J'ai levé le pied. Voilà. C'est pour ça que j'étais bon dans rien, moi. Je voulais pas être comme Tante May. L'équilibre est un marathon.
Ce n'est pas un sprint. Lewis Hamilton. Et je m'entraîne encore. Allez. Donc là, en fait, il vient de défoncer ton mur. Vas-y, à ton tour. Mais tu le fais dessiner. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation positive. Voilà. Super. C'est tard dans la gueule. Mais avec peut-être raison. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir Angie. Ouais, mais attends, il y a peut-être 2-3 trucs à piquer, là, non ? Star Wars. Ouais. Oh putain, le tableau périodique. Il y a un élément, il s'appelle pété. Gaz de prout. Bah, je redescends. Ah, je peux courir. Ah, on est sur un épisode cinématique. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft demain pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non, mais je vais vite le savoir. Oh, oh ! MJ ! Elle a déjà rencontré quelqu'un ? Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolée. Harry. T'as les mains gelées. Tu m'as manqué. J'espère que vous avez la ref. Toi aussi, mon pote. Harry, t'as les mains gelées. Elle est pas facile, celle-là. J'ai appris pour mai. Je suis désolé. Ah, elle était vieille. Et comment c'était... l'Europe ? En fait... Dumbenumber, merci The Fool. Merci, York, merci The Fool. Je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère ? Non, Matt Smith, c'est pas Matrix. À l'imparfait. Je suis en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. Ah, sachez aussi, en parlant de personnes qui vont bien, que j'ai eu Chris, hein, Chris Invalide, sur Discord. Je venais un petit peu aux nouvelles. Et il m'a dit, sache que je vais de mieux en mieux. Pour ceux qui connaissent, comment dire, Chris, ça fait plaisir. Ah oui, voilà, tu vois, cool, super nouvelle. Il me disait, ça vient de mieux en mieux. Voilà, ça fait plaisir. On se fait un truc demain ? Coney Island, comme au bon vieux temps. Ça marche. Eh ben, elle est plus contente quand elle le voit, lui. Peter. C'est nouveau ça. Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en Simcaré. Ça a été inventé il y a assez longtemps, la moto. Hein. Désolé d'être passé sans prévenir. Putain, mais c'est une Golf. Non mais tu rigoles. On aurait dit l'arrière d'une Golf. En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément. Bah, c'est une Golf. Hein. Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. La Harry Mobile. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends. Attends, tu mets deux vélos dans une Golf ? Sans enlever les roues ? Harry ? Vraiment ? Tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule ? C'est ma vieille bécane ? Non, j'ai trouvé sur internet. Oui, pas mais nous. C'est hein. À s'y méprendre. Ouais. Grave. Il y a même, les autocollants et tout. Ouais, c'est ça. T'es ouais. Sûr que c'est pas mon vélo ? C'est vrai ? Ouais. On va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. On va vraiment faire du vélo là ? T'es sûr que ça va aller ? Oh ouais, je pète la forme. Ah oui ? J'ai pris la canne pour me rassurer, mais j'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final ! Vas-y, on fait la course. Alors, raconte-moi tout. Moi tout ? Qu'est-ce qui t'a autant occupé ? Surtout, de la suppléance entre deux licenciements. Et on fait la course ! Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Mais je croyais qu'il marchait avec une canne ! Le vénard. Putain, mon... Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au maths. Mais... J'ai lu est-ce que Peter Parker fait partie du peloton des professionnels ? Ça te bah non. Dingue. C'est une façon de le formuler. J'espère que vous avez la ref aussi. J'aurais voulu que tu sois là. Mais attends, mais j'ai envie de lui mettre une chiche céleste à lui. Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu.
Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Oh, vas-y, j'arrête de pédaler. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve ? Wow. Un truc expérimental. Oh, c'était limite. Attends, on est à Midtown High ? Mais, t'sais, je c'est n'écoute ça, pas du tout ce qu'il raconte. Je peux ni confirmer, ni infirmer. Mannequin challenge. Ils faisaient un mannequin challenge. Bon, c'était du tai chi, mais on aurait dit du mannequin challenge. La fameuse cuve, mais Venom. D'accord. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Ah bah oui. Elle est où ta canne ? Merci. Ah bah il l'a pas prise. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là ? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi ? Ouais. Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain. C'était Zerator qui avait gagné. J'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école, à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va ? Oh, remember. Oh, attends, lui était en mode Justin Bieber. Et lui, il était en mode. Ouais, vraiment Tobey Maguire, quoi. T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier ? Casier sûr. Quoi ? Casier sûr. T'étais sûr ? J'étais sûr. Enfin, je le suis. Mais pourquoi tu reposes la question ? Je sais pas, je suis nerveux. Donc, j'ai bien appuyé sur triangle, hein. Monacelli. C'est Eric Labourique. Qu'est-ce qu'il fait là un vendredi soir ? Bah, il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars a l'étoffe des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les années. Les fans ont mis tous leurs espoirs dans cette équipe à l'approche. Vise quelque chose de bruyant. Et il semblerait que les joueurs soient au rendez-vous. Non, trop salissant. Et finir ou envoyer le chariot. Oh, joli. C'est très bien défendu. C'est le chariot. On revient maintenant sur le home play. Attention, plaquage mine. Oui. C'était un compte plein en plus. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ? Belle diversion, hein. Coming home, I'm coming home. J'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Il y a peut-être Tony Parker dedans. Elle aurait préféré guérir le monde. Il est où ? Oh, sérieux, c'est parfait. Ouais, guérir le monde, on prend. Bon, le seul obstacle entre nous et un monde meilleur, c'est cette fichue clé USB. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin, hein. Cache-toi. Chut, 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 chut. Il nous a vus ? Non, je crois pas. On se sépare, on se rejoint en gymnase. Ok. Hé, hey, qui est là ? Ça va mal, ça Personne. Va mal. Alerte ! Voyons les vigiles. Oh non, on manquait plus que ça. Je me cours. Où tu te caches, petit merdeux ? Dans ton cul. Je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein ? Je vois qu'on a joué sur la poignée. J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. Eh bien, si on se déplaçait... C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Ah, je me doutais qu'il fallait passer, là. On descend, ou... Le boss doit pas être bien loin. J'ai envie de tomber du plafond. Bon, Bibli, labo photo. Labo photo, gymnase, gymnase, casier. Facile. La voie est libre. En avant. Ah, libre, libre. C'était quoi ça ? C'est mort ! Hé ! Oh,
J'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. C'est forcément un gamin. Le fantôme de Midtown. C'est qu'une légende. Les aérations. Le royaume. Ah, je dois recharger mes lance-toiles d'abord. Ah ouais, parce que si on peut pas y aller. On peut pas le bloquer avec sa toile. Alors. Okay. Où j'ai rangé mon fluide de toile? Mon fluide de toile. J'avoue, elle a un petit côté culte des héros. La tour. La tour Tony Stark. Hop, hop. Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Quand j'étais petit, mon père, il faisait du développement photo. Trouvé. J'adorais aller dans son petit KGB là quand il faisait du développement. C'était trop stylé de voir les photos apparaître comme ça. Ah oui, là on est clairement sur un épisode cinématique. Comparé au premier. Mais c'est bien, moi j'adore tellement ce jeu que c'est pas grave là. Bien joué le hors-champ pour qu'on soit sûr que. Salut toi. Ça étonne personne quand il serre la main qu'il ait ça dans le. Enfin bon. Eh ben, on est reparti, hein. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre Harry au gymnase. Non, bah y'a rien. Hop. Oh, le gymnase est de l'autre côté des hélices. Je dois traverser. Voilà. Mon vieux sac à dos. J'avais oublié qu'il était là. On peut prendre. Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Non, on peut pas le prendre. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Trouver des diversions. Merci. Attention, je vais taper un sprint. Hop, 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 reste sous tête, petit. Arrête de courir maintenant. Attends, faut que j'aille où, là? Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Le gymnase, normalement, c'est là où il y a le bal de promo, donc c'est là où il y a les ballons. Ça doit être là. Oups, surtout pas par là. Quoi? Donc il y a un mec qui est en train de ramper sur le plafond, il le voit pas. Bon, tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Donc ça, c'est la réserve. Bon, c'est-à-dire que là, il faut que je continue à monter au plafond. Qu'est-ce que je suis en train de branler, là? On passe... Oh putain. Oula, 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 oula. Je suis gouré. Bon attends, il y a un truc que j'ai loupé là. Je peux pas redescendre, si. Là je peux pas y aller. Bon. Ah bah voilà. Il fallait juste. Maintenant. Rick, la pour Rick. Il faut que je l'éloigne de cette porte. Ouais. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ok, voilà. On vient pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. Attends, je peux pas passer derrière lui là, faut que j'aille de l'autre côté. Non, là, je peux pas. Bon, donc faut que je passe au-dessus de lui. Donc en fait. Attends. Fallait faire ça, c'est tout? Ah oui, d'accord. Oh la vache! Je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Oh, et on le flashback. Tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même. Ouais. Mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme?
Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il a mis le panier ou pas? Je sais pas. J'arrête l'enregistrement pour ce deuxième épisode de la VOD, mais on continue bien sûr en live. Bisous, bisous la VOD, bisous YouTube. Bisous.